Good morgen, allez, Diane, les sucres aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf, Micha ben Masouda, Rivka, Bat, Levi, Yitzhak, Avram, Chayn, Orber, Ben Fortuné, Mazal, Ben Yudit, Nissan, Ben Mafres, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions les Sechet Midot, Perek Aleph, Mishnah, Hey, Veshevat Safon, Shara Nitzotz, Keminach Sadra Haya, Valiya, Benouya, Al-Gabav, Shakoanim, Shomri, Melemalan, Valeviim, Melematan, Upetach, Haya, Lola, Chayl, Shenilo, Shara Korban, Shlishilo, Bet Hamoked. On continue dans notre Mishnah, le sujet de la Mishnah d'Alet. On avait découvert dans la Mishnah précédente les sept portes de la Hazara. La Hazara, c'est l'essentiel du Bet Hamikdash, où là-bas se trouve le Mizbeach, avec le Bet Kodash HaKodashim. Et il y avait dedans sept portails, sept portes d'entrée. En réalité, on avait vu, on avait évoqué qu'il y avait une marquette, il y en avait 13 ou 7. Donc Mishnah, elle va expliquer les 7 essentiels, quoi qu'il arrive, parce que tout le monde est d'accord qu'il y avait 7 essentiels, même s'il y avait d'autres petites portes annexes en plus. Les 7 essentiels, il y en avait 3 au sud, 3 au nord, et une à l'est. La grande, la Char Nicanor, la grande entrée, où il y avait là-bas les portes de Nicanor, comme on expliquait dans le cours précédent, le miracle qu'il avait eu avec ses portes. Et maintenant, dans la Mishnah précédente, on a évoqué donc, on explicitait les 3 du sud avec leurs fonctions, qu'est-ce qu'on faisait? Pourquoi elle en avait besoin d'une porte spéciale pour elle, en quoi elles étaient utilisées. Et puis dans notre Mishnah, maintenant, on commence avec Shebat Safon, celle qui était au nord, les 3 portes du nord, qui sont Shar Anitzot, Shar Korban et Shar Amoked. Et on commence avec la première, Shar Anitzot, la première c'est le Shar Anitzot, la porte ou de l'étincelle. On avait expliqué, on avait déjà parlé de ça dans la Mishnah Aleph. On avait évoqué que là-bas, il y avait les Kohanim et les Lévim qui montaient la garde là-bas au Shar HaNitzot. On avait expliqué que le Tiferet Israël explique que le Shar HaNitzot, c'était, il y avait là-bas une petite lishka, une petite cabine, où on veillait à conserver constamment un feu allumé. D'où le nom Nitzot, l'étincelle. Et la Mishnah me précise comment elle était construite. Au Kemin Achsadra Haya, et devant la porte, il y avait une sorte de préau, c'est-à-dire de poteaux recouverts. Ouais, c'est pas qu'on sortait directement et qu'on était à ciel découvert, mais on avait une sorte de petit préau. Ve'aliya benouya al-gabav. Il y avait une petite aliya, je ne sais pas comment le traduire, un balcon aménagé, un balcon fermé, petite mansarde, je ne sais pas, sur les poteaux qui étaient construites au-dessus, qui étaient construites au-dessus. Sha'kohanim shomrim et les malan, ve'alevim et les matan, afin que les kohanim montent la garde au-dessus, et les levim en dessous. Au petach hayalo la cheil. Et il y avait la porte de cette de ce balcon, la fermer, eh bien, il était ouvert au Cheil. Le Cheil, c'était une surface autour de la Hazara, un périmètre, qu'on aura l'occasion de découvrir à quoi il servait exactement. La Michel vient juste me dire, tu sais que ce balcon-là, il n'était pas ouvert dans la Hazara. Après, on va travailler avec le schéma, vous inquiétez pas, vous allez beaucoup mieux comprendre ensuite. Bon, je vais d'abord traduire les mots, comme ça, pour qu'on peut passer à la phase explicative plus tranquille, sans être obligé de suivre les mots exacts. Donc, les Kohanim, ils surveillaient, ils montaient la garde là-haut, les Lévim et les Matan et les Lévim en dessous, au Petach Hayalo Lachel, et la porte de ce balcon fermé, il n'arrivait pas sur la Hazara, il était construit de l'extérieur vers l'extérieur, et donc l'entrée, il y avait un escalier pour monter, pour arriver à dans ce périmètre autour de la Hazara, et pour arriver au Cheil. Shenilo, ensuite, il y avait le Char à Korban. Le Char à Korban, c'était lui le deuxième, la porte d'entrée des Korbanot, c'est-à-dire pour tous les Kodesh Kodashim, on les faisait passer vers ici. Vous rappelez, Kodashim Kalim, les niveaux de Gdusha simples, qu'on peut faire la Shrida dans toute la Hazara, on les faisait entrer par le Char à Bechorot, et ceux de niveau de Gdusha plus forte, qu'il faut nécessairement faire la Shrida dans le nord, pour ne pas qu'on se trompe à l'intérieur de la Hazara, on les faisait tous entrer par ici, comme ça on sait que ceux qui entrent ici, il faut les laisser dans cette partie nord. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il aille ailleurs, tant qu'il est vivant, on appelle la Shrita, c'est pas une avoda. Mais pour qu'on réalise bien, qu'on ne se trompe pas, eh bien on le faisait par ici, dans le Char à Korban, on le faisait entrer par ici. Et le troisième, Shlishilo, et la troisième porte, c'était le Bet HaMoked. La Bet HaMoked, c'est une lishka, une grande cabine, qui était un très grand, on va expliquer d'ailleurs dans la prochaine Mishnah de Vav, Zain, Chet, et même je crois Tet. On va passer 3 Mishnayot au moins à expliquer dans les détails à quoi servait le Bet HaMoked de tout ce qu'il y avait dedans. D'accord?
On verra que, regardez la Mishnah après, ça nous commence, ça va nous dire Barbel Shachot Ayou Bebet Amoked. Dans le Bet Amoked, il y avait 4 cabines. On va tout expliquer pour le Bet Amoked. Bet Amoked, littéralement, la maison où il y a le, comment dire, le feu de camp. C'est la fameuse salle où il y avait les Kohanim qui se reposaient. Il y avait dedans un feu qui était constamment allumé. Quand le Kohanim avait froid, il partait se réchauffer un petit peu. Et il se repose aussi là-bas, spécifiquement. On expliquera plus dans la prochaine Mishnah, donc le Bet Amoked. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière pour mieux comprendre. Vous avez dans le PDF ou dans la version papier. Attention, on n'a pas, j'ai enfin réalisé qu'on n'a pas exactement, c'est dommage, mais bon, on n'a pas exactement la même mise en page entre la nôtre et la vôtre. Chez moi, ça se trouve à page 5, il y en a certains que j'ai rencontrés à qui j'ai donné cette brochure papier, j'en avais quelques-unes. Ceux qui ont eu la brochure en PDF, ça se trouve à page 3, en haut à gauche. Et on a ici, donc ce dessin-là, regardez, je le rapproche. Comme ça, vous le voyez plus près, à quoi il ressemble. Vous voyez là ce dessin, comment il est? Eh bien, vous voyez en fait qu'on a 3 portes. Ouais, vous les voyez? 1, 2, 3. Il y a une petite porte sur le côté, non, ils ne l'ont pas mise ici. Donc, 1, 2, 3. Ça c'est très simple. C'est la vue, en fait, de ces 3 portes. 1, plutôt 1, 2 et 3. Ouais, vous voyez le Bet HaMoked qui dépasse, qui est un gros morceau qui dépasse. On expliquera dans la prochaine Mishnah. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Bet HaMoked? Pour le moment, on s'intéresse à ces 2 portes. Ça, c'était le char à Corban. Le char à Corban, donc, je vous ai déjà dit aussi, le Bet HaMikdash, il est construit sur un. Il est construit en montagne, c'est un dénivelé, donc ça monte. Donc en fait, on clôture, mais en fait, on continue à monter des escaliers. Même à l'intérieur de la Hazara, il y avait des escaliers, il y avait des différences, il y avait des dénivelés très conséquents. Plus on avançait, plus on montait. Et donc maintenant, donc ça, c'est tous les escaliers pour monter. Là, c'était le char à Corban, comme son nom l'indique, vous le voyez. On a le char à Corban. Et puis, ça, c'est le fameux char à Nitzotz, avec, vous voyez, si vous regardez-le dans votre PDF, vous le verrez beaucoup mieux, il y a 2 poteaux, avec ici le balcon fermé au-dessus. Et regardez l'escalier, l'accès de ce balcon, on n'a pas d'accès par la Hazara qui était derrière. Le seul accès, c'est par cet escalier qui nous monte, et cet escalier est ouvert au Khail. Pour mieux comprendre c'est quoi le Khail, alors, cette fois-ci, il va falloir voir un autre dessin, qui se trouve, il est là, on l'a, en début de brochure, chez moi c'est page 3, chez vous c'est page 2 en bas à gauche, et vous avez, regardez, on voit les escaliers de dehors, tels qu'ils étaient, il y avait une petite barrière, cette petite barrière c'est la barrière du Khail. Du Khail c'est tout ce périmètre qui est, il y avait une gdusha spéciale dans le Khail, d'accord, tout simplement. Et pour le moment, ben, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.